Non, mais en fait, le truc, non, c'est. Enfin, je veux dire, enfin. Faut pas. Évidemment, enfin. Enfin, tu vois, quoi. Le problème, c'est que. En fait. Enfin. Enfin, juste. Je suis d'accord, ouais. Mais c'est pas toujours un problème non plus. Ouais, mais. Enfin, je veux dire, ça dépend. C'est. Je sais pas. Non, ça dépend pas. Bon, bah. Bonjour, c'est ça, non? Bonjour. Bonjour, on ne sait jamais quelle heure il est. C'était la dernière séance. C'était la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Poésie. Je crois que la dramaturgie est posée. Ouais, c'est bien là. Émilie. Je suis Fraise. Marc. De son prénom. Pour vous servir à rien. Pour vous servir à rien. C'est ça. Bah déjà, j'ai envie de te dire quel rythme sur scène, quelle énergie. Quelle folie. Quelle folie. Oui. Oui. Non, mais oui, c'est. Ben non, mais c'est vrai que c'est important. Très. C'est même le plus important, je crois. Et le rythme n'a rien à voir, attention, avec le contenu. Non. Il peut y avoir rien que ce soit très rythmé. C'est vrai. Et comment tu travailles? Je l'ai découvert, je savais pas ça. Ça travaille pas, ça. Tu travailles pas, en fait. Ça, ben, moi, j'ai pas la sensation de travailler, j'ai la sensation de jouer le jeu. De jouer le jeu? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par jouer le jeu? J'ai un personnage, il faut que je me mette dedans, de pas le lâcher, et à partir du moment où j'ai fait ça, c'est déjà pas mal. C'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Oui, non, mais voilà, c'est un challenge. Après, ouais, c'est ça que tu fais pour tenir des gens pendant, c'était quoi, 1h15, ouais. Sans trop parler, sans lasser les gens, c'est pas évident, c'est... Je trouve que c'est... Non, je trouve que c'est une question qu'on m'a posée souvent, pour le coup, et que je comprends pas, parce que je vois vraiment pas l'utilité de parler. Non, mais c'est vrai que beaucoup de choses peuvent passer. Il y a beaucoup de choses qui se passent de commentaires, ouais. D'autant plus aujourd'hui, où on est dans un flot de... Tu sais ce que c'est, d'information, de... il faut plus une seconde de silence. Si on n'écoute pas la radio, il faut regarder la télé. Si on n'est pas avec des amis à commenter le dernier buzz du machin, il faut être au téléphone. Enfin, je veux dire, on parle trop pour ne rien dire déjà. Et parfois, je pense que d'offrir du silence, non seulement ça surprend, puisque c'est plus trop à la mode, et la lenteur, qui n'exclut pas le rythme, c'est aussi un vrai parti pris. Puis c'est un vrai travail aussi, parce que, enfin, on se dit, oui, ne rien faire, ne pas parler, c'est pas évident. Enfin, en fait, c'est beaucoup de travail, je trouve, d'arriver à avoir du charisme, une présence sur scène, et de faire rire les gens avec Je pense pas que ce soit plus de travail, parce que le gars qui va écrire beaucoup de choses, il doit travailler aussi. Moi, ce que j'écris, c'est juste que c'est pas dit. C'est dans l'air. C'est-à-dire que si je dis Monsieur Fraise arrive sur scène, il a un problème de peau, ça m'offre déjà du jeu. Ouais. Donc l'écriture est transparente, c'est tout. Mais c'est de l'écriture, c'est sûr qu'il y en a. Mais beaucoup moins que. C'est la base, en tout cas, c'est pas l'écrit, c'est le personnage. Personnage. Le jeu et le personnage. C'est vrai que ce personnage, je trouve vraiment. Enfin, il est vraiment attachant parce que tout le monde arrive à rigoler. J'ai l'impression d'avoir des fois un petit gamin de 5 ans en fait, qui s'amuse de ce qu'il fait et qui fait le con devant les gens. Ouais, l'enfance, c'est très important pour moi, en tout cas. C'est ce qui m'a inspiré le plus, l'enfant. Et puis, quand tu dis tout le monde, je pense que c'est pas tout le monde. Il y a plein de gens que Monsieur Fraise déconcerte et met même mal à l'aise. Mais ce malaise, pour moi, ça veut dire quelque part que j'ai fait mon travail, parce que, parce que je ne me suis pas trahi. Le but, ce n'est pas de faire rire tout le monde, c'est de les intéresser. Mmh. Tout à fait, ouais. J'aime bien le rire parce que ça fait tout passer. Mais je ne veux pas que ce soit la dictature du « tout est drôle ». Non. Tant mieux si à un moment donné, il y a un vrai malaise où les gens se posent vraiment la question « est-ce qu'il va mal, est-ce qu'il va bien, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est pas prévu ?» J'aime beaucoup ce sentiment-là. Moi, je me mets à la place du spectateur, c'est ce que j'aimerais. Alors après, mais les gens sont à l'écoute. C'est une histoire de goût. Ils sont à l'écoute. Ouais. Ouais. Pour certains, ils sont tellement mal à l'aise qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de l'ouvrir. Ouais. Parce que pour eux, un silence, c'est insupportable. Oui, il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais, il y en a qui n'aiment pas ça. Qui soir, il y en a eu dès le début. Hein. Ouais, vous avez entendu? Dès le début, des gens qui ont
percer le silence, ouais. Parce que ça... Aïe, aïe, aïe. Bah, ça m'aide à l'aise. On est là. Ouais. Ils ont besoin de dire, on est là. Puis je trouve que ça casse cette espèce de bulle d'intimité quand tu peux se créer. C'est, toi, tu rentres dedans, tu ouvres la porte, tu dis coucou, je suis là, et tu mets les deux pieds dedans, et tu rentres un peu, je trouve, dans cette petite bulle de protection que certaines personnes peuvent avoir face, justement, au silence. Ah, moi, j'aime bien caresser les gens dans l'autre sens du poil. Ouais. Mais parce que c'est pas comment. Le but, c'est pas de mettre mal à l'aise. Mais ouais. S'ils sont mal à l'aise, c'est pas grave. Au moins, ils sont quelque chose. Ils sont quelque chose. Mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, ça me fait penser à une réflexion qu'on t'avait faite. Je crois même que c'est Jean-Marc Guéqui qui t'avait faite, qui avait un peu caractérisé ce que tu faisais de comique d'exaspération. Et je trouvais la phrase assez juste en soi. C'est de l'exaspération, mais pas dans un sens péjoratif. C'est vraiment, tu joues avec ça, avec le mal-être des gens. Et... Ouais, effectivement, quand il a lancé cette formule, elle était juste sur le sketch que je venais d'interpréter sur le moment, mais c'est pas une signature personnelle. Non, il y a plein de gens qui ont utilisé ce moyen-là pour provoquer, mais c'est pas ma spécialité. Non. Ce qui a dû les exaspérer, en tout cas surtout le monde de la télé, c'est que j'étais pas venu devenir une star, quoi. J'étais venu proposer un truc que je sais faire. Ou que je sais pas faire d'ailleurs, mais et ça c'est pour eux c'est pas normal un mec qui se pointe à la télé et qui vient pas tenter sa chance d'être la nouvelle star. C'était quand même le but, quoi, la plupart des mais c'est ça prétendants. Qui était bien, je trouve, c'est ça qui m'a plu sur tes passages de ton personnage, c'est que t'étais différent, que entre guillemets tu t'étais pas là, comme tu disais, pour devenir un star. Tu t'en foutais des conventions, des cadres, de ce qu'on attendait de toi. Je voulais jouer avec, ouais. Tu jouais pas m'en foutre complètement, mais il fallait que je joue avec. Et ce que je trouvais beau à chaque fois, c'est sur les thématiques, tu les prenais tellement au pied de la lettre. T'arrivais toujours à, comme tu dis, à caresser les gens dans l'autre sens du poil, et les thématiques tombaient parfaitement dans ce que tu faisais, je trouve, sur pas mal de tes passages. Voilà, et c'est le rire, qui fait passer la pilule, parce que effectivement, quand je vais leur annoncer que 8 millions de pauvres. De pauvres en 2011, je leur dis, bon, ben alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? On n'est pas pauvres, nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on me dise sur un thème pareil? Bientôt 9, après 10, et puis voilà. Tant qu'on n'en est pas, c'est pas grave. C'est vrai, non, faut, c'est ce que pensent la plupart des gens. Donc, des gens, ouais. Pour faire passer la pilule, il faut que ce soit drôle, parce que c'est triste, mais c'est vrai. C'est vrai que tu bouscules un peu tout ça. J'adorais Coluche, qui était très trivial là-dessus. C'est-à-dire qu'il allait droit au but. On se marrait, mais c'était saignant, parce que on est des gros cons. Ouais. Enfin, là, tu cites Coluche, parce que tu as eu d'autres influences qui t'ont donné envie de faire ça, justement. Parce que c'est très absurde, très clownesque. Enfin, des fois, j'avais même l'impression de voir Mr Bean ou d'autres personnes comme ça qui sont totalement absurdes et drôles, je trouve. Ben ouais, mais t'as mis le doigt dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pas mal mangé de télé quand j'étais gamin. Et les Mr Bean, les Coluche, Buster Keaton, Chaplin, ouais, Buster Keaton, un peu, j'ai moins de souvenirs, mais même les gens comme Bourville, moi, tout ce qui était l'idiot qui fait l'imbécile et qui malgré tout derrière arrive à capter l'attention d'un public, ça m'émerveillait, mais vraiment, sans même penser un seul moment que je ferais ça un jour. C'était juste pour moi des dieux vivants. Ils avaient trouvé un truc pour exister qui était génial. Ouais, et puis ça bouscule tout en étant drôle. Moi je sais pas, mais ils ont vraiment bercé mon enfance. Après, mes parents n'avaient pas l'intention de faire de moi un comédien, et moi non plus, mais il se trouve que... Justement, comment t'es devenu comédien en fait? Je suis devenu comédien parce que je me suis un petit peu inquiété à 26 ans quand j'avais pas de projet. Et je voyais pas de projet à part gagner ma vie. Et j'ai fait un bilan de compétences qui s'est révélé vachement utile finalement, puisque dans ce bilan, la conclusion c'était que j'adorais rire et faire rire. Et que j'admirais les gens comme eux. Comme eux. Et du coup, la conclusion est évidente. Pourquoi tu t'essayes pas au Café Théâtre? J'étais lyonnais. Je me suis essayé et j'ai eu l'énorme surprise de voir que ça marchait, que j'avais cette vocation. Et pourquoi, justement, parce que pour revenir un peu à Amanda, tu disais que toi, tu l'as pas fait vraiment pour devenir une star, mais du coup, pourquoi tu as voulu le faire au final? Alors, je l'ai fait pour continuer à vivre de mon métier, parce que c'est
c'est triste à dire, mais aujourd'hui, beaucoup d'artistes, moi ça fait 15 ans que je joue, il y a 15 ans, c'était pas un problème pour vivre de mon métier et que les gens viennent nous découvrir. Aujourd'hui, ça devient vraiment un problème puisque le milieu du spectacle a été très récupéré par la télévision. Et du coup, on se retrouve avec un vieux dilemme qui est de dire, voilà, si je suis pas à la télé, ben, je vais avoir des petites salles, mais c'est comme ça. Et si je vais à la télé, ben, je vais me faire connaître et j'aurai plus de monde en salle. Mmh. Et après, ce qui m'a aussi attiré, j'avais pas idée de passer à la télé parce que c'est un média que j'aime vraiment pas, mais j'avais vu cette émission et j'ai dit mais c'est pas possible, il y a une place à prendre quoi, personne n'ose mettre les doigts hors du cadre. Et je suis allé le faire, mais avec un immense plaisir. En plus, je suis allé à reculons, mais au final c'était une super opportunité parce qu'ils m'ont laissé les mains vraiment libres. C'était vraiment bien. Est-ce que du coup, Rocky est venu le voir? Parce que vu un peu comment ça s'est passé vers la fin, ça s'est pas forcément bien terminé. Non, il a pas trop de temps. Il a pas trop de temps. Non. Il travaille. Il travaille beaucoup. Bah, beaucoup. Vraiment d'autres. Moi, je travaille pas. Je me laisse un peu de temps. Je travaillerai plus tard. À la retraite. Et du coup, ce spectacle-là, comment tu l'as mis sur pied? Comment tu t'es dit, allez, je vais en faire un vrai spectacle? Alors, pour le coup, pas la sensation du tout, je ne l'ai jamais eu d'offrir un spectacle au sens propre du terme. C'est pas un vrai spectacle, mais c'est un spectacle. On est dans le non-spectacle et on est dans. Moi, j'ai une charte qui est de dire, voilà, d'abord surprendre les gens, être dans mon personnage, ne pas le lâcher, et puis après, garder ma liberté sur scène de pouvoir choper tout ce qui viendra. Alors, c'est un peu emmerdant parce que si vraiment la salle est molle ou moi que je suis un peu pas dedans, ben, dans ces cas-là, je m'appuie sur des trucs qui sont plus évidents pour moi. Je vais faire plus de sketchs, moins d'impro. Mais je suis un petit peu. C'est un petit peu de l'artisanat, comme c'était le cas. J'ai entendu parler de la Comédia dell'Arte à l'époque où ils avaient. Des tiroirs qu'ils ouvraient, voilà, ils connaissaient leurs personnages et puis de temps en temps ils sortaient ce qui tombait bien sur le moment, mais qu'ils connaissaient très bien. Et c'est ce que je fais, et je le connais tellement bien ce personnage que je peux me permettre aujourd'hui de lui laisser des libertés. C'est vachement agréable. Et j'imagine que ce personnage est un peu devenu toi, en train où tu t'es peut-être inspiré de toi-même, je sais pas. Je suis inspiré de mes défauts, évidemment, et puis. Est-ce que tu t'inspires d'autres gens? Parce qu'il y a quand même des fois quand tu fais des sketchs, même si tu me disais que tu aimais moins ça. Des personnages assez forts comme la maman au parc. Enfin, je trouve que c'est des jolies caricatures de gens qu'on retrouve vraiment, qu'on a tous. Ils sont presque pas des caricatures. Non, ils sont presque pas des caricatures. Ouais. Mais bizarrement, je vais jamais chercher l'inspiration. Ça, j'y crois pas du tout. En revanche, je crois, comme beaucoup de comédiens, en plus en seul en scène, qu'on est des vraies éponges. C'est-à-dire qu'on absorbe un peu tout comme le font les enfants. Le mimétisme, les choses comme ça, enfin, on est des gens qui aiment jouer, donc forcément, sans le vouloir, on s'inspire. Ouais. C'est vrai que le personnage de ma mère, moi je l'adore, il est extra, enfin, tu l'avais fait aussi à l'émission. Oui, il est très vieux. Il est très vieux, mais je trouve qu'il marche bien en fait, c'est tellement visuel, enfin, tout ce que tu fais, je trouve, est assez visuel, même quand tu parles pas, on arrive à comprendre, à lire sur tes lèvres et à voir tout ce que tu racontes, tout ce qui se passe. Bah parce que j'ai un petit peu de métier maintenant, que j'ai quand même pas mal mangé de j'ai des heures de vol sur scène, et puis on le ressent comment on arrive à faire passer quelque chose. Ben, faut parler plus fort, faut être plus lisible, faut exagérer, et puis de temps en temps, comment surprendre les gens, faut pas rester tout le temps au même endroit, faut sortir de la salle 5 minutes, et comme ça ils se demandent ce qui se passe. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu arrives à prendre les gens à revenir. Et ce que je me demandais un peu en voyant ton spectacle, je me dis, est-ce que des fois tu testes pas ton personnage dans la vraie vie avec, je sais pas, ta famille, ta boulangère? Non. Non, pas trop. J'ai beaucoup de mal à mélanger ma vie privée, personnelle, et puis cet espace qui. Je suis pas vraiment dans le sacré, mais pour moi c'est un espace. Privilégié. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est ma cour de récréation. Quand je mets les pieds sur scène et qu'il y a un public, tout d'un coup, il y a une espèce de réflexe qui est de dire, voilà, là, t'as pas le choix, faut t'amuser.
Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ça vive, faut que tu te laisses surprendre, faut que tu presque redeviennes un enfant. Je pense que tu l'es complètement. Enfin, sur scène, on voit que tu t'amuses vraiment, on voit que tu... Alors après, puisque j'ai aussi un peu de bouteille, on ne voit pas quand, quand je ne suis pas bon et que je me mets à commenter moi-même ce que je fais en disant « Oh là là, mais pourquoi ça ne marche pas ?» Alors que c'est des questions que tu ne dois plus te poser sur scène, mais qui sont les vieux démons des comédiens qui, de temps en temps, voilà, on sait se remettre sur pattes, mais on n'est pas toujours à fond. Mais du coup, tu as une petite période, des petites périodes un peu d'impro aussi, j'imagine, à des moments où tu fais ou... Ouais, il y en a. Et si je suis très en forme, ça pourrait être pratiquement totalement improvisé. Ouais. Comme tu disais, vu que tu connais à partir de mon personnage. Oui, c'est ça, évidemment. C'est vrai que c'est assez, c'est assez fort, je trouve, comme, comme performance, en tout cas. Mais moi, je suis habitué, donc j'ai de plus en plus de mal à me laisser surprendre. Mais j'y tiens vraiment à cette recette-là, parce qu'elle me... longtemps j'ai fait des sketchs plus académiques, plus populaires on va dire, ça marchait très bien mais je finissais par m'ennuyer quoi, d'attendre toujours les rires au même moment, là laisser de la place à la surprise. Il y a eu quelques petits moments encore ce soir où vraiment je disais ah là là, mais je devrais consciencieusement aller noter ces moments là pour dire ça c'est à reprendre. Ben non, ben ça non. S'est passé ici, ça peut pas se passer ailleurs. C'est ça qui est chouette. Ouais, ben c'est l'impro. Ben ouais. Et toujours l'esprit d'un peu de provoquer, j'ai l'impression, il y a 2 ans, t'as un peu fait le buzz sur Avignon en t'annonçant sans faire un spectacle avec ton spectacle Relâche. Ouais. Où au final t'étais pas là et j'ai trouvé ça très fort aussi. Est-ce que c'était. C'était une idée au matin en buvant un café, je me dis, ah c'est dommage, je suis pas à Avignon cette année. Oh, je vais y aller quand même pour leur dire que je suis pas là. Ça c'est fort quand même. T'as eu des gens qui t'ont appelé, qui t'ont attendu pour ça, contre toute attente, parce que moi c'était pour me faire marrer, je me faisais plaisir en faisant ça. Vraiment, parce même si affiché pendant 2 jours c'est pas mon truc, je voulais connaître la réaction. Et là la réaction elle était assez incroyable. Tu t'aperçois que finalement quand tu affiches pour dire que t'es pas là, t'intéresses plus les journalistes que quand tu affiches pour dire que t'es là. Que t'es là, ouais. Non, c'est incroyable. C'est fort, ouais. C'était fort. Et pour le coup, j'ai eu plein de gens de ce métier-là qui s'en rappellent encore aujourd'hui. Ça les a marqués. Comment un mec peut aller à Avignon pour afficher qu'il n'est pas là? Comment c'est possible? Mais ça colle avec le personnage. Et ça, ça colle. Un peu maladroit, un peu borderline. Ouais, et puis qui aime bien, on sait qu'il est en vacances aussi. Et que les autres travaillent. C'est ça, c'est vraiment un mec un peu énervant. Ouais, je titille un peu les bosseurs. Parce que j'y crois pas trop, moi, au travail. Au travail, ouais. Je crois beaucoup au jeu. Ouais. Et comment ça se passe, justement, ta relation avec tes... On peut dire collègues, mais tous tes potes humoristes... Ben pour le coup, voilà, c'est pas des collègues, puisque je suis pas dans le monde du travail. Et j'en ai pas beaucoup des liens avec les artistes de ce monde-là, parce que beaucoup d'entre eux ont envie de travailler le plus possible. Et moi, je suis pas là-dedans, et du coup... Il y a vraiment un gouffre, quoi. Alors après, j'en rencontre certains des comme moi, mais je ne voulais pas que ça fasse prétentieux, parce que ça ne veut pas dire que... C'est vraiment parce que ça ne me correspond pas, quoi. Moi, je ne veux pas jouer 4 à 10 fois par semaine. Je ne veux pas vivre à Paris parce que c'est pas mon truc. Enfin, voilà. Hein. Du coup, je fais ça à ma sauce. Et puis, ça a toujours bien fonctionné. Donc, il n'y a pas de raison de changer. De prendre le TGV quand on est heureux dans le TER. C'est sûr. C'est sûr. Comme image, c'est de prendre trop le train, je pense. Non, mais voilà, c'est un métier qui nous... On nous fait souvent croire que le passage obligé, c'est par là, que le Graal, c'est l'Olympia. Moi, je crois que c'est chacun. Midi à sa porte. Puis la preuve, c'est que ça marche quand même. Ce soir, c'était quand même presque plein. Presque plein, ouais, mais le presque plein dans une si belle salle, c'est déjà juste incroyable. Et moi, il n'y a pas un jour où je me dis que j'ai pas du bol de faire ce métier et d'avoir cette petite vocation dont j'ai profité, mais le plus longtemps possible. Parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment un super métier. C'est vrai. Ah ouais. Oh là là, faire rire les gens, moi, c'est... C'est tellement inespéré depuis le début, je voyais tellement pas ce qui allait m'intéresser. Alors faire rire des gens, tout en... De temps en temps, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ça me va très bien. Ouais.
Ça me va très bien, je suis très heureux. Du coup, est-ce qu'on a une chance de peut-être te voir sur Avignon déjà? J'ai vu que tu... Enfin, j'y vais cette année. Ouais, tu vas cette année? Cette année, je vais vraiment à Avignon. Vraiment, vraiment? Ouais. Ça y est, tu vas travailler comme tous les autres. J'ai travaillé, mais pour une très bonne raison, c'est que ce qui est rare, j'ai rencontré quelqu'un qui va m'aider. Et ça, je suis plutôt un solitaire. Et là, j'ai un bon sentiment avec ce papy qui va m'aider, qui est surnommé papy, qui est un petit peu connu d'ailleurs dans ce milieu-là aussi. Et je suis impatient de voir ce qu'on va faire ensemble. Voilà, de mélanger son regard, moi, ce que je sais faire. Du coup, peut-être être un peu moins à regarder ce que je fais. Et pour le coup, cette association-là, je l'attends depuis un petit moment. Et ça va me faire beaucoup de bien. Et résultat sur Avignon. Tu seras là. Ouais. Et tu feras des parades silencieuses, non, j'imagine? Oui, je me mettrai au café et je regarderai les gens faire des parades, oui. Bon, c'est des beaux projets, ça, c'est vrai que... C'est super, hein, moi, je suis un vénard, un grand vénard. Un grand vénard, c'est ça. Bah, je te souhaite en tout cas que ça continue très très longtemps. Ouais, c'est aussi chouette. C'est vraiment chouette, même si tu parles pas beaucoup. Mais il y a des gens qui parlent pas beaucoup, mais qui en disent long. Exactement. Vivement. Vivement. Viendez, les gens. Viendez. Viendez. C'est pas français, ça. Ah bon. Je suis pas sûre.